coup de gueule ce midi contre la campagne de propagande de l'Octobre Rose. Je me suis exprimé hier à ce sujet. Je vais développer mon argumentaire. Il ne faut pas confondre prévention et dépistage précoce. Ce que je veux dire par là, il faut que vous connaissiez l'histoire de la chimiothérapie, des traitements de chimiothérapie visant à soigner le cancer. Dites-vous bien que le cancer aujourd'hui, les cancers, notamment le cancer du sein pour les femmes et le cancer de la prostate pour les hommes, sont les premières causes en fait de mortalité en France devant les maladies cardiovasculaires et ce depuis le début des années 2000. C'est quand même assez étonnant que depuis les années 80, on nous bassine avec ces recherches contre le cancer. Je recherche contre le cancer. Donnez de votre argent pour que les laboratoires travaillent à de nouveaux protocoles de chimiothérapie visant à soigner les cancers. Il faut que vous ayez certaines données. J'ai écrit un livre, c'est la suite de HIT, c'est le HIT tome 2. En 2017, et je donnais la parole à Nicole Delépine, qui est une cancérologue qui s'occupait du service pédiatrique de cancérologie à l'hôpital de Garches. Une personne qu'on a mis aujourd'hui, qu'on a écarté, qu'on a mis à la retraite par rapport à ses prises de position qui étaient en dehors de cette doxa et cette pensée unique véhiculée par le corps médical. Elle ne remettait pas en cause en fait les traitements de chimiothérapie. Ce qu'elle remettait en cause, c'est l'obligation pour les oncologues, donc pour les cancérologues, d'appliquer des protocoles qui leur étaient imposés. Vous m'entendez bien? Des protocoles qui leur étaient imposés par l'Institut National du Cancer, et ce depuis 2004, les amis. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez voir un oncologue ou un cancérologue, ce n'est pas lui qui va vous soigner. Il va juste suivre les impératifs que lui donnent, les ordres que lui donne l'Institut National du Cancer. Ça me pose un gros problème, parce qu'il n'y a plus de personnalisation des traitements. La deuxième chose qui me pose un problème, c'est que les cancers du sein sont passés de 20 000 en 1980 à aujourd'hui plus de 50 000. Et c'est bien normal qu'au plus, on va dépister, au plus, on va trouver de cas de cancer. Mais est-ce que tous ces cancers sont réellement des cancers qui vont se développer dans le temps? Il y a une donnée qui est assez incroyable, c'est que 25% des dépistages du cancer du sein, 25% des dépistages du cancer de la prostate sont des surdépistages, les amis. Un surdépistage, c'est-à-dire que c'est une tumeur bénigne qui ne se serait pas développée dans le temps, mais ça, on ne peut pas le savoir. Et on va vous dire, oui, heureusement qu'on a pris le cancer à temps. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le cancer à temps? Déjà, tu prends le cancer, c'est une maladie en fait qu'on ne connaît pas. Sinon, on saurait guérir en fait tous les cancers. Ce que je reproche donc à toutes les influenceuses et les instagrammeuses que je suis et qui me suivent sur mon compte, dont certaines étaient très très remontées pendant ces deux dernières années contre cette obligation de la picouse, aujourd'hui font la promotion d'Octobre Rose. Gling gling, allô? Vous faites la promotion d'un dépistage. Donc pour le cancer du sein, bien entendu, on aura, nous, les hommes, avec Movember, la fameuse campagne où les hommes se laissent pousser la moustache. J'espère que je n'aurai pas trop de moustachus le mois prochain sur mon compte. Je prendrai la parole le mois prochain concernant Movember, qui est un copier-coller de la campagne d'Octobre Rose. Donc ce qui me pose problème également, et ça devrait vous poser problème à vous aussi, c'est que depuis 2007, l'Institut National du Cancer et le ministère de la Santé imposent aux hôpitaux qui traitent, donc qui ont des services pour traiter le cancer, ils leur imposent des quotas. Ah mais oui, ah, mais ça c'est depuis les années 80. Là aussi, dans HIT tome 2, tu as toute l'évolution du système de santé en France. Depuis les années 80, l'hôpital vise à se...
je dirais, privatisé. C'est devenu une entreprise. Il y a la tarification à l'acte. Au plus, un hôpital fait des actes de prévention ou de traitement, ben, au plus, il va être rentable et il va préserver les emplois de ceux qui travaillent à l'hôpital. Parce qu'un hôpital qui n'est pas rentable, ben, aujourd'hui, on le ferme. C'est pour ça que nous avons en France des déserts, je dirais, médicaux, où il n'y a dans certaines régions plus de services de santé. Donc, ça me pose un problème, les quotas, parce que, et là, vous devriez également vous demander pourquoi on a octobre rose, pourquoi on a Movember, qui sont deux mois de fin d'année. Peut-être pour remplir les quotas. En tout cas, ce dépistage systématique vise à augmenter les cas de surdépistage des cancers du sein et des cancers de la prostate. Donc voilà, tout ça, ce sont des données qui sont factuelles. Libre à vous de les interpréter comme vous voulez. Et puis, mesdemoiselles ou mesdames, vous qui avez un petit peu d'influence, faites attention avant de véhiculer comme ça des propagandes de campagnes de prévention qui sont orchestrées, vous savez par qui. Ce sont les mêmes qui ont orchestré ce qu'on a vécu il y a deux ans. Donc, informez-vous, remontez dans l'histoire et comprenez aujourd'hui les rouages de ce business qui est le business de la santé, un business que je décrypte dans mes travaux, dans mes livres. Si vous voulez me rejoindre, c'est dans le Hit Club. Je fais des émissions quotidiennes, toutes les semaines, pour vous informer sur des données factuelles qui vont nourrir vos pensées pour que vous puissiez produire vous-même votre propre pensée. Avant de vous engager comme ça, je dirais à corps perdu, dans des campagnes et puis donner de l'argent aussi pour des associations qui sont en fait des excroissances des laboratoires pharmaceutiques, peut-être qu'il faudrait un petit peu réfléchir avant de se lancer là-dedans à corps perdu. Voilà, c'était le coup de gueule de ce midi. Je vous attends samedi, si vous avez le courage de venir jusqu'à Montpellier, si vous faites partie de cette belle agglomération de Montpellier, il y a des transports en commun pour économiser l'essence et pour venir me voir dans cette nouvelle tournée de showconférence, nourrir le corps, mais aussi nourrir l'esprit. Salut à vous les amis.